Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir. À nouveau, quelqu'un que nous connaissons bien à Pessac, puisque euh, pour certains d'entre vous, vous avez eu euh, l'occasion déjà de venir écouter M. François Kersodi. Merci beaucoup euh, d'être revenu euh, nous voir pour nous parler euh, d'un sujet ce soir euh, assez peu connu. Je crois que vous aviez dit euh, une fois si euh, Spielberg avait choisi. Euh, Félix Kersten au lieu d'Oscar Schindler, il serait beaucoup plus connu euh, qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, bien sûr, je vous laisse la parole pour nous raconter cette histoire extraordinaire. Eh bien, on parle souvent de la banalité du mal. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la banalité du bien quand il est confronté au mal. Et vous verrez que le maître mot de cette histoire, c'est le hasard. Seulement le hasard, disait Einstein, c'est Dieu qui se promène incognito. Eh bien, chacun verra s'il peut distinguer Dieu derrière la cascade de hasards, de coïncidences, de répercussions. Que je vais vous présenter parce qu'il s'agit de savoir par quel extraordinaire enchaînement de circonstances environ 350 000 personnes sont revenues, euh, je dirais pas intactes, mais en tout cas vivantes, euh, de l'enfer des camps de concentration allemands au printemps de 1945 alors qu'elles étaient euh, promises à une, une mort certaine. Alors, dans ce très long enchaînement, le tout premier des hasards, comme toujours, c'est la naissance. En l'occurrence, la naissance de Félix Kersten. Il est né en 1898 en Estonie. Et l'Estonie, à l'époque, fait partie de l'Empire russe. Seulement, euh, sa famille est d'origine allemande depuis plusieurs siècles. Et c'est donc l'allemand qui sera sa langue maternelle euh, plutôt que le russe euh, ou l'estonien. Et comme vous le verrez, ce premier des hasards, ça sera un élément de toute première importance pour tout ce qui va suivre. Alors, ce jeune Félix Kersten, il aurait dû être agriculteur, comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père, mais euh, voilà qu'un deuxième hasard se présente euh, sous la forme de la Grande Guerre, de la Révolution bolchevique et euh, ensuite de la guerre d'indépendance de la Finlande et cette Finlande une fois libérée va participer en 1919 à la libération de l'Estonie en y envoyant deux régiments pour en chasser les gardes rouges bolcheviques et c'est l'un de ces régiments que rejoint Félix Kersten, qui est maintenant un solide gaillard de 21 ans et qui va donc participer à la libération de sa ville natale, qui s'appelait en russe Yuriev, et qui va s'appeler en estonien Tartu. Mais, revoilà le hasard. Pendant la suite de la campagne, Kirsten doit rester allongé dans un marécage pendant toute une journée et toute une nuit. Et. Euh, il va contracter un rhumatisme articulaire aigu qui lui paralyse les deux jambes. Et donc, on l'évacue vers la Finlande, à Helsinki, et il va y rester hospitalisé pendant près de deux mois. Et revoilà le hasard, ou le destin, si vous voulez. Euh, pendant sa convalescence, Kirsten aide le médecin chef de, de l'hôpital qui euh, soigne les blessés par ce qu'on appelle alors le massage finlandais, une thérapeutique qui est d'ailleurs beaucoup plus proche de l'ostéopathie euh, que du massage. Et euh, Kirsten sert d'assistant, il, il s'ennuie, il a rien à faire, donc euh, voilà, il, il aide. Et euh, en le voyant faire, le médecin-chef remarque qu'il a des mains extrêmement puissantes, effectivement, ce sont de véritables battoirs. Mais en même temps, il a une très grande sensibilité des extrémités digitales. Et en plus de tout ça. Eh bien, il a une aptitude certaine à se servir de l'ensemble. Et euh, au bout d'un mois, d'ailleurs, ce médecin s'aperçoit que les blessés préfèrent être soignés par lui que par les professionnels. Donc, ça lui a un peu la, la puce à l'oreille. Il en fait son assistant. Et euh, il va ensuite le présenter à une sommité dans le domaine du massage scientifique euh, qui lui le prend comme élève. Et euh, à la suite de cela, le hasard ou, ou le destin se, se représente sous trois formes qui vont être décisives pour le reste euh, de son existence et même pour l'existence de quelques centaines de milliers d'autres. D'abord, Kirsten obtient en 1921 son diplôme officiel de massage scientifique, ce qui va le détourner définitivement du métier d'agriculteur. Ensuite, il acquiert à peu près en même temps la nationalité finlandaise. Et enfin, euh, ses maîtres lui conseillent d'aller parfaire sa formation, euh, sa formation médicale, à Berlin, qui est le centre le plus réputé dans ce domaine. Alors, une fois à Berlin, euh, notre jeune thérapeute aurait très bien pu dévier euh, vers la marine, comme le docteur Segalen, ou vers la littérature. Comme le docteur Destouches, alias Céline, ou même vers la guérilla révolutionnaire, hein, comme l'étudiant en médecine Che Guevara. Mais euh, Karsen, lui, ne dévie pas. D'abord parce qu'il a trouvé sa vocation, et aussi parce que on lui donne de très bons maîtres. Hein. Les, vraiment les sommités de l'époque, hein, certains professeurs. Cornelius, qui est le grand spécialiste du massage des points névralgiques, le professeur Beer, qui est un chirurgien vasculaire suisse très renommé, et enfin et surtout un certain docteur Ko, qui est un praticien de médecine chinoise et tibétaine et qui lui enseigne tout ce que les autres ne peuvent pas lui enseigner. Mais le résultat, c'est que dès 1925, euh, Kirsten est capable de soigner des patients avec, au, au moyen de ce qu'il appelle la thérapie physio-neurale. En très gros, ça consiste à drainer avec des pressions et des pétrissements de la paume et des doigts euh, toutes les congestions euh, du système circulatoire qui ralentissent ou qui bloquent euh, l'approvisionnement des tissus nerveux en sang frais et donc en oxygène. Alors la méthode est très efficace et comme les tarifs du thérapeute Kersten sont élevés, euh, il a une patientèle très fortunée, qui est surtout d'ailleurs composé d'hommes d'affaires et de grands industriels allemands, hein, comme le, le patron de Ligue Farben, vous savez, la chimie, ou le directeur du cartel de la potasse, euh, ou, ou le, le, principal, le directeur du principal conglomérat sidérurgique allemand, donc euh, tous des, des gens euh, avec euh, des moyens, et surtout des gens qui. Euh, souffrent surtout de surmenage. Hein. Ils ont trop de responsabilités, ils ont trop de réunions, il euh, y a trop de tabac, il y a trop d'alcool, il y a trop de mondanité le soir, il y a trop peu de repos la nuit. Et euh, dans tous ces cas, Kirsten obtient quelques guérisons. Quasiment miraculeuse en apparence, mais dans beaucoup d'autres cas, et même en général, il ne soulage que temporairement. Et ça, bien sûr, ça oblige ses patients à revenir souvent. D'où deux conséquences qui, elles, ne doivent absolument rien au hasard. La première, c'est que Kersten devient extrêmement riche. Et la deuxième, c'est que ces patients le recommandent à d'autres hommes d'affaires, à d'autres industriels et à de nombreux membres de la noblesse européenne. Et c'est dans ces conditions qu'il va être amené à soigner le prince Hendrik, qui est euh, l'époux de la reine Wilhelmine des Pays-Bas. Et ce prince Hendrik souffre d'une insuffisance cardiaque congestive qui est très euh, fortement aggravée euh, par un surpoids euh, vertigineux et euh, par un mode de vie euh, passablement dissolu. Mais euh, Kirsten le soigne avec un succès tel que euh, la Cour royale l'invite à venir s'installer aux Pays-Bas. Et c'est ce qu'il fait à la fin de 1928. Lorsqu'il ouvre un cabinet à Schreveningen, qui est le quartier cossu de La Haye, une station balnéaire euh, très riche. Et euh, par conséquent, pendant les années qui suivent, hein, les, les, les 12 années qui suivent, en fait, il va faire la navette entre La Haye et euh, son cabinet de Berlin, avec donc des patients aux Pays-Bas et des patients à Berlin. Et, après 1933 et la prise de pouvoir d'Hitler, les marques allemands ne sont plus convertibles et Kirsten va les investir dans l'achat d'une propriété à 80 km au nord de Berlin qui s'appelle le domaine de Harzwald. Et puis, en 1937, ils se marient. Et euh, il se prépare à vivre en toute euh, tranquillité et prospérité entre La Haye, Berlin et Harzwald. Seulement, le hasard, le sort, la providence ou Dieu lui-même euh, va en décider tout autrement. Et au début de 1939, euh, le sort en question se présente sous la forme d'un de ses patients allemands qui se nomme August Dean. C'est le directeur du Kali Syndicate, le cartel de la potasse. C'est un de ses vieux patients. Et ce qu'il demande à Kirsten, c'est tout simplement d'aller soigner Heinrich Himmler, le Tout-Puissant. Euh, chef de la SS. Il lui demande ça comme un service personnel. Alors, non pas que la santé euh, du Reichsführer SS lui tienne particulièrement à cœur, mais il se trouve, encore un hasard, que les dirigeants nazis envisagent de nationaliser l'ensemble de l'industrie lourde allemande. Et. August Dean pense qu'un homme qui soulagerait Himmler de ses maux, et il en a, pourrait aussi le dissuader de renoncer à ce projet de naturalisation. Alors, Kirsten commence par refuser, d'abord parce qu'il considère les nazis comme des barbares et que les confidences de ses patients ne risque pas de le détromper mais pour rendre service à son vieil ami augustine et probablement aussi par curiosité il finit par accepter de rendre au moins de rendre visite à Himmler dans son entre berlinois de la prinz-albrecht-straße qui est le siège de la gestapo alors, ce que Kirsten découvre là-bas, c'est un homme plutôt malingre, euh, manifestement surmené et surtout terrassé par de terribles crampes abdominales. Qui lui font craindre la mort à chaque fois. Il y a des fois, beaucoup de fois où il perd conscience, tellement c'est dur, hein, et il croit mourir à chaque fois, comme son père qui est mort d'un cancer. Alors, Kirsten a un diagnostic très rapide, hein, son diagnostic euh, dérèglement du sympathique, et euh, il voit d'emblée que c'est un cas qui entre tout à fait dans son domaine de compétences. Euh, mais, vous voyez, euh, les ingrédients du destin hein, pour le passé et pour l'avenir, euh, ce genre de crampes d'estomac aggravées par le surmenage et par la tension nerveuse, c'est effectivement par excellence... Une affection qui soigne depuis 20 ans, donc il connaît bien cela. Mais c'est aussi, hasard, le genre d'affection qu'il ne peut pas guérir entièrement. Il peut la soulager. Et c'est ce qui rendra le futur patient... Entièrement dépendant de ses services sur une très longue période, parce que s'il avait pu le guérir tout de suite, euh, Himmler lui aurait dit :« C'est bien mon brave, merci, euh, au revoir, et on n'en parlait plus. » Et les 350 000 hommes, en avril 1945, eh bien, ils étaient morts. Mais ça se passe pas comme ça, hein parce que il ne peut pas le guérir, il peut seulement le soulager. Et puis, autre coïncidence et autre hasard. Cette langue allemande dont je vous ai parlé au début, hein, c'est une langue qu'ils ont en commun. Si kirsten n'avait parlé que l'estonien ou le russe ou le finnois, ce qui aurait pu parfaitement être le cas, vu son endroit de naissance et vu les endroits où il est allé à l'école, eh bien, dans ce cas-là, il n'aurait pas pu communiquer, il n'aurait pas pu marchander ces deux hommes-là, et finalement, rien n'aurait été possible. Mais d'un autre côté, cette nationalité finnoise que Kersten a acquise un peu par hasard, c'est aussi ce qui va le protéger, parce que c'est ce qui va lui donner un statut particulier dans le Troisième Reich. En tant que citoyen allemand, il n'aurait eu droit à rien, il n'aurait eu aucun droit. Hein. Dans l'Allemagne nazie, un citoyen allemand, ça compte pas. Mais là, il se trouve qu'il est finlandais, et la Finlande, pendant la guerre, va être alliée, ou du moins co-belligérante de l'Allemagne. Et donc ça mérite le respect et on ne peut pas le traiter comme n'importe qui. Vous voyez, encore un hasard. Et puis, ben, finalement, on, on est au, au printemps de 1939. Euh, Kirsten aurait très bien pu refuser de soigner Himmler, ce qu'il voulait faire au départ d'ailleurs. Ou bien il aurait pu, ce qu'il a envisagé de faire, se faire rapatrier en Finlande. D'ailleurs, il est allé à l'ambassade de Finlande presque immédiatement en disant Voilà, je ne peux pas vraiment refuser, mais, mais si vous me rappelez en Finlande à ce moment-là, avec ma famille. Et le chargé d'affaires finlandais lui dit Ah non, on n'a pas d'agent d'influence, on, on ne sait pas ce que trament tous ces chefs nazis. Euh, maintenant qu'on a quelqu'un euh, qui euh, est dans le proche entourage du plus secret d'entre eux, d'Himmler, de, et du plus dangereux en plus, euh, restez. Et vous nous informerez. Et donc, euh, à son corps défendant, il doit rester. Alors vous me direz oui, mais il, il aurait pu rester refuser de le soigner. Euh, bah, pas vraiment. Hein euh, ça aurait été très dangereux pour lui, encore plus pour sa famille. Et pour sa belle famille, parce que sa belle famille, en particulier le... Le père de sa femme, garde forestier Neuschafer, est bien connu pour son opposition au régime, parce qu'il en fait, <laughs> c'est une grande gueule, il en fait pas le mystère, hein. il le proclame, hein. il l'annonce, je dirais pas à son trompe, mais enfin, il, il, il est catalogué comme ça. Donc évidemment, Kirsten est le seul à pouvoir le protéger. Et, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas fusé. Puis imaginez aujourd'hui... Euh, euh, un médecin russe qui refuserait de soigner Poutine euh, ou, ou son chef de la police euh, secrète, bah, il le ferait certainement pas, hein, à moins évidemment d'être fatigué de vivre. Euh, et puis, enfin, il y a un détail fortuit qui va prendre petit à petit une importance essentielle c'est que Kersten ne va pas demander d'argent en échange de ses services. Et pourquoi est-ce qu'il n'en demande pas D'abord parce que, comme on sait, il en a énormément, et aussi parce qu'il sait qu'Himmler en a très peu. Et donc, il pense que ça lui permettra de garder à la fois une certaine indépendance, vu que ses services ne sont pas payés, et une certaine indépendance qui va lui permettre de soigner aussi ses autres patients. L'idée, c'est bah, « Oui, vous êtes mon patient, mais j'en ai beaucoup d'autres et les autres me payent. » Donc euh, bah, euh, voilà, indépendant. Et enfin aussi, évidemment, parce que euh, dans l'Allemagne nazie, euh, la protection du chef des SS, ça vaut infiniment plus que euh, tous les marques dévaluées. Alors... Il faut regarder encore d'un petit peu plus près tous ces fils qui sont en train de se nouer, parce que ce qui est fascinant là-dedans, c'est d'observer l'imbrication des fils qui vont déboucher sur quelque chose. Et si vous coupez un des fils, et plus rien ne se fait. Et c'est la catastrophe. Hein Mais là, un des fils, c'est que ce tout-puissant chef des SS, il est motivé avant tout par un dévouement fanatique. À hitler et par une ambition absolument effrénée mais aussi par un narcissisme très poussé euh, avec euh, trois ingrédients principaux d'une part il a fait vertu de pauvreté il ne touche que son salaire sans doute pour se distinguer et pour briller face à Quelques escrocs notoires à, à, à l'opulence ostentatoire, hein, comme Goering, comme Goebbels euh, ou comme Ribbentrop. Et puis, deuxièmement, il, il s'est bricolé une sorte de, de code d'honneur qui veut que, une fois qu'il a donné sa parole, il ne doit plus jamais revenir dessus. Et puis, troisièmement, il vit dans l'idée d'entrer dans l'histoire comme un grand homme, comme un très grand homme, un des plus grands hommes de l'histoire euh, germanique. Et vous verrez que sans ces trois euh, failles narcissiques euh, du Reichsführer, eh bien rien de ce qui suit n'aurait été possible. Alors ce qui suit, c'est euh, qu'à la fin, du mois d'août 1940 donc plus d'un an après leur première rencontre un autre des patients de Kersten l'industriel August Rostberg demande à Kersten d'intercéder auprès d'Himmler en faveur de son contremaître un vieux socialiste que la Gestapo a envoyé dans un camp de concentration seulement lui August Rosberg, il a besoin de son contremaître et donc euh, il demande à Kirsten euh, de euh, faire quelque chose pour lui d'ailleurs euh, cet été-là Kirsten a reçu plusieurs autres euh, demandes d'intercession dont à vrai dire il ne sait pas trop quoi faire or euh, il se trouve que le 26 août 1940 euh, Himmler a une nouvelle crise et Kerstin est appelé en urgence. Et bon, il arrive assez rapidement à apaiser les, les douleurs d'Himmler. Dans ces cas-là, Himmler, évidemment, est soulagé et même est perdu de reconnaissance. Et euh, Kerstin va nous raconter lui-même la suite. Écoutez cela. J'avais sur moi une liste de cinq ou six personnes, des Allemands, peut-être aussi un Hollandais. Himmler m'a dit "Écoutez, Kersten, je sais bien que vos services sont très coûteux, bien sûr, aber Salen ich. il me faut payer." J'ai répondu "Vous savez, Reichsführer, c'est bien volontiers que je vous aide. Vous êtes dans le besoin." Et je sais que vous ne pouvez rien payer, qu'il y ait entre nous une amitié qui ne s'évalue pas en argent. Il a répondu Je vous remercie beaucoup, vous savez, je n'ai pas d'amis. Alors, dit Kirsten, les mots me sont venus d'un seul coup Voyez ceci, Herr Reichsführer et je lui ai montré la liste. Il a dit aussitôt Das darf ich nicht. Je n'ai pas le droit. J'ai répondu, mais Reichsführer entre amis, on a le droit de faire beaucoup de choses. Signez donc, et tout sera réglé. Et il a signé. Première liste. Alors, est-ce que Kersten a conscience dès ce moment-là d'avoir enclenché un, un processus inexorable? Ben, il ne le dit pas dans ses mémoires, mais on a de bonnes raisons de le croire, parce qu'il vient juste de s'assurer la complicité du secrétaire d'Himmler, un certain Rudolf Brandt. Brandt, c'est un petit homme en apparence insignifiant, mais il est docteur en droit, et surtout, il est rebuté. Par euh, tous les aspects criminels du régime nazi. C'est curieux, hein, c'est l'homme qui transmet, qui euh, signe à la place d'Himmler, mais il le déteste hein, parce qu'il le considère comme, comme un criminel. En tout cas, c'est grâce à ce petit secrétaire, Brandt, que Kersten obtient un privilège absolument unique qui est la possibilité de recevoir son courrier à l'adresse d'Himmler. C'est le secteur postal militaire 35-360, le seul numéro en Allemagne, qui échappe complètement à la censure. Et le 1er septembre 1940, quand Kersten retrouve à La Haye ses anciens patients, il propose à trois d'entre eux d'être ses yeux et ses oreilles en Hollande et en Belgique. Ils lui transmettront les noms des personnes arrêtées par la Gestapo en écrivant au secteur postal militaire 35 360 et lui, kirsten se chargera de les faire libérer. Eh bien, euh, c'est un processus qui va se renouveler pendant près de cinq ans. Et euh, c'est Kersten lui-même qui va nous introduire dans les coulisses euh, de l'exploit. Hein Écoutez cela. C'était souvent un véritable marchandage de maquignon. Si par exemple j'avais une liste de 20 personnes emprisonnées par la Gestapo pour une raison ou pour une autre, et en faveur desquelles des amis ou des relations m'avaient demandé mon intervention, je profitais des heures de traitement pour parler de leur cas à Himmler. J'insistais sur le caractère honorable et remarquable des personnes concernées et je suggérais à Himmler toutes sortes de motifs pour lesquels une libération était souhaitable. La plupart du temps, Himmler ne demandait pas du tout ce qui avait amené ces gens en prison, mais il demandait plutôt qui s'intéressait à leur cas. Il parcourait alors rapidement la liste des noms. Puis il disait Vous voulez en faire libérer vingt. À quoi cela vous avance-t-il Qu'en penseront mes hommes Je vous en donne cinq. Contentez-vous de cela, sinon vous n'aurez rien du tout. Il lui arrivait d'autoriser la libération des cinq premiers sur la liste, parfois aussi du dernier, et cela arbitrairement, tout à fait au hasard. J'allais donc, la plupart du temps, porter ma liste au docteur Brandt, le secrétaire, et je le priais de ne pas se contenter d'exécuter la décision d'Himmler, mais d'arrondir la liste vers le haut avant de la lui soumettre, ce qui se produisait généralement. À ce stade, Himmler lui-même ne se préoccupait plus du tout du nombre de noms, mais signait prestement le document tel que Brandt l'avait rédigé. Et donc, Effectivement, pendant cinq ans, Kersten va obtenir toujours plus de libération en usant de la raison, des promesses, de la menace, de la flatterie. La menace, bien entendu, étant de ne plus le soigner. Et Kirsten avouera lui-même Himmler vivait dans l'idée d'entrer dans l'histoire comme un grand homme, comme un des plus grands hommes de tous les temps. Dès lors, même avec des moyens primitifs, on pouvait obtenir de gros succès. Et les moyens primitifs, c'était en premier lieu la flatterie. Et ils le flattaient énormément. Parfois même ça fait un peu mal au cœur, mais évidemment, la fin justifiait les moyens. Et c'est ainsi que des centaines et des centaines d'Allemands, de Néerlandais, de Belges, de Polonais, de Danois, de Norvégiens, de Français, de Suédois, des opposants, des résistants, des juifs, des témoins de Jéhovah, des socialistes, des communistes, des homosexuels et, et encore beaucoup d'autres, euh, tous promis à la prison, au camp de concentration ou au peloton d'exécution, eh bien, finalement, ils sont libérés sans savoir le moins du monde à quelle intervention providentielle ils doivent leur bonne fortune. Hein, ils s'apprêtent à passer leurs derniers jours. Hein, euh, Là, voilà, ils, ont, ils ont écrit leur testament, ils ont fait passer des petits messages pour dire adieu à la famille. Et puis le directeur de la prison arrive, il leur enlève les menottes, il leur dit prenez vos affaires, disparaissez et euh, tâchez qu'on n'entende plus jamais parler de vous. Et bien entendu aucune explication. d'ailleurs, le directeur lui-même n'en a pas non plus. Hein, on va pas lui dire pour quelle raison ces hommes euh, doivent être libérés. on lui a donné un ordre et en allemagne, dans l'allemagne nazie, hein, un ordre c'est un ordre. Hein, on ne discute pas. on doit libérer. on libère. Hein et effectivement, de ceux, ceux qui s'en souviennent, on peut suivre des cas individuels qui sont absolument fascinants, parce que euh, certains, comme euh, le, par exemple le, le recteur de l'université d'Oslo, un grand résistant, hein, euh, et, et bien d'autres, euh, ont été euh, sauvés in extremis, hein, une heure avant le peloton d'exécution. C'est tout à fait fabuleux. Et puis. Écoutez ce, ce témoignage de l'adjoint du bourreau de la Hollande, le Standartenführer SS Wilhelm Harster, hein, euh, qui n'a toujours pas décoléré quand il est interrogé à Nuremberg, hein, six ans plus tard. On lui demande s'il connaît Kirsten. Il dit ⁇ Ah oh oui, Kirsten, je le connais. Si je peux remettre la main sur lui, euh, il, il est cuit. Hein, ⁇ euh, Et dans la déposition, on voit ceci. Euh, Kerstin vient ici à La Haye pour huit jours et cinq jours après son départ arrivent les premiers ordres de libération. J'ai dit à mon supérieur Rauter « Regardez ça, c'est une liste de satanés types que ce foutu médecin finlandais Kerstin a soutiré au Reichsführer à coups de massage. » À coup de massacre. Herausmassiert en allemand. Et, et ça, c'est fabuleux parce que Herausmassiert, c'est un verbe allemand qui n'existe pas, hein, mais que les SS de Hollande ont fabriqué exprès pour Kirsten. C'est quand même fabuleux. Alors, entre 1939 et, et 1945, euh, Kirsten a traité Himmler plus de 200 fois. Euh, en le suivant dans ses divers euh, quartiers généraux, hein, au, au palais berlinois de la Prinz-Albrecht-Trasse, à côté de la Gestapo, mais euh, aussi en Prusse orientale, hein, euh, à Rastenburg, et, et, et en Ukraine occupée, et très souvent aussi dans le Sonderzug Heinrich, c'est-à-dire le, le train spécial euh, d'Himmler. Euh, et euh, son, son processus était à peu près toujours le même, c'est-à-dire qu'après chaque conversation, eh bien, euh, il notait ce que lui avait dit Himmler sur des petits morceaux de papier au crayon qu'il se dépêchait d'aller enterrer dans sa cave parce qu'il était espionné par la Gestapo 24 heures sur 24, hein, donc il ne fallait pas que la Gestapo soit au courant. Euh, mais euh, ces 200 séances de traitement dans lesquelles euh, vraiment Kirsten parlait à cœur ouvert, c'est ce qui a donné à Kersten l'occasion d'observer de, de, de plus près son, son principal et, et plus dangereux patient et euh, d'en tirer un certain nombre de conclusions dont, dont il nous fait part. Hein. Euh, Himmler, c'est au fond... Un homme faible qui euh, se fait violence pour avoir l'air d'être fort. C'est un bureaucrate qui se rêve en militaire. C'est un homme malingre qui euh, aspire aux performances physiques. Euh, C'est un, un brun aux yeux noirs qui euh, n'a d'admiration que pour les blonds aux yeux bleus. C'est un, un velléitaire qui veut constamment entreprendre. C'est un, un spadassin avec une mentalité d'historien amateur. C'est un boucher industriel qui euh, a fait tuer plus de 10 millions de personnes, mais... Qui est beaucoup trop lâche pour en tuer un seul de ses propres mains. Hein, quand, il assiste, quand il assiste aux exécutions, il lui arrive de vomir, hein, voyez un petit peu. C'est un homme extrêmement rationnel, mais qui ne prend jamais la moindre décision sans consulter au moins deux astrologues. C'est un anticlérical qui est fasciné par les religions. Euh, notamment la religion musulmane d'ailleurs, et avant tout, c'est un homme qui est entièrement sous l'influence d'Hitler. Et puis, il y a cette autre observation intéressante, je recite parce que ça vous met dans l'ambiance, Kirsten note ceci, Himmler avait l'habitude de faire attendre pendant deux ou trois jours ceux qu'il avait convoqués à son quartier général. Les généraux SS et les chefs de la police arrivaient habituellement avec tout leur lot de réclamations et de reproches et comptaient s'en décharger le plus tôt possible. Mais comme on ne leur disait pas quand Himmler pourrait les recevoir, ils n'avaient qu'à attendre tranquillement. Au bout de trois ou quatre jours d'attente, ils s'étaient beaucoup ramollis. C'est alors qu'on les introduisait auprès d'Himmler, qui leur demandait sèchement ce qu'ils désiraient et les interrompait rapidement. Pour leur donner quelques ordres brefs sur un ton péremptoire. Toute cette comédie, jouée sur un ton d'impatience crispée, permettait à Himmler, qui au fond était très irrésolu, de donner l'apparence de la toute-puissance. Ce que Kirsten ne peut pas savoir à l'époque, c'est que c'est une imitation servile et complète des pratiques d'Hitler dans le même domaine. Alors, on a finalement très peu de documents sur ce que pensaient pendant la guerre les neuf principaux dirigeants nazis et moins encore Himmler parce qu'Himmler il ne recevait jamais de diplomates étrangers il parlait pas aux journalistes et il ne faisait jamais de discours public. En fait. Des neuf truands à la tête du Troisième Reich, c'était de très loin le plus discret. Et on le voit bien parce que dans les biographies d'Himmler, les biographes ont, ont du mal hein, parce qu'ils trouvent peu de témoignages, ils trouvent peu de documents. Et, et... Mais là, vous avez un document fabuleux parce que à son thérapeute, à Kersten, il se, Himmler se confie sans retenue. Hein, C'est mieux qu'au confessionnal. Au confessionnal, on ment. Et, enfin, pas tous. Hein. Mais euh, là, Himmler, quand il est soulagé, euh, il ne parle pas, il pense tout haut. Et, et, et donc, évidemment, euh, c'est très édifiant parce qu'on apprend énormément de choses qu'on n'aurait aucun moyen de savoir autrement. Et qu'est-ce qui frappe le plus dans ces confessions ben, C'est d'abord que... Euh, à travers toutes les péripéties de la guerre, euh, la bataille de France, euh, la bataille d'Angleterre, la bataille de l'Atlantique, l'invasion de l'URSS, l'entrée en guerre des États-Unis, euh, les, les premiers revers euh, en, en URSS, etc., euh, eh ben, on peut mesurer euh, à quel point... Euh, la pensée d'Hitler, d'Himmler, est, est dominée, son jugement, sa pensée, sont, sont dominées par, par l'autosuggestion. Voilà un homme qui a des mains toutes rouges, mais il a des lunettes toutes roses. Hein, les, les Anglais sont, sont des Germains comme nous, donc ils vont finir par nous rejoindre hein, pour lutter contre les Bolcheviques. Et puis les Bolcheviques, les Noirs, les Juifs, ils sont incapables de se battre. Et Stalingrad, c'est une grande victoire allemande. Bah oui, bon. Et puis les, les Américains et les Soviétiques vont bientôt se faire la guerre, et donc c'est ce qui sauvera l'Allemagne. Et puis on finira par l'emporter grâce aux, aux armes secrètes, hein, etc., etc. Et naturellement, euh, Himmler, c'est un homme qui est sous influence. C'est le perroquet d'Hitler, hein, exactement comme Ribbentrop, comme Göring. D'ailleurs, l'interprète d'Himmler, Paul Schmidt, avait appelé Himmler eine grammophone plate, hein, c'est-à-dire la voix de son maître, en gros. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce, cet homme qui pense tout haut, ce sont ses projets pour l'après-guerre, pour après la victoire dont il parle très ouvertement à Kirsten. Hein, il veut se constituer un empire SS. Il veut liquider beaucoup de monde. Hein, les grands capitalistes, les ecclésiastiques, les généraux, les nobles, le pape, ils veulent pendre. Franco, Mussert, Tiano, Mannerheim, et aussi ses principaux rivaux ce sont les premiers à éliminer bormann premier de la liste hein. dès qu'il aura l'occasion bormann fusillé dans le meilleur des cas Et goebbels son ennemi intime goering il le déteste le gros hein. lui aussi il doit y passer ribbentrop bien sûr donc vous voyez, ça promet, hein. il y a largement assez de haine pour tout le monde. Et évidemment, on est assez fasciné de voir que pendant 12 ans, euh, ce euh, Reich a pu durer alors que les principaux dirigeants... Euh, se détestaient et voulaient la mort les uns des autres, parce que tout ce qu'ils pensent de ces hommes-là, ces hommes-là euh, pensent la même chose de lui. Hein. J'ai demandé à Bormann, heureusement on ne peut plus, mais enfin, Goering, Goebbels, etc., ils veulent tous la peau d'Himmler, évidemment, ils attendent la, la fin de la guerre et la victoire pour se débarrasser d'Himmler. Après quoi, ils se débarrasseront les uns des autres. Mais voilà, c'est une ambiance quasiment soviétique, euh, post-stalinienne. Mais évidemment, on n'en est pas encore là, hein, parce que la victoire, elle n'est pas là. Et à l'été de 1942, euh, Kirsten va se faire un nouvel allié. Jusque-là, il n'avait que le petit secrétaire Brandt. Et là, il va en avoir un autre. C'est un allié de poids. C'est le Standartenführer, le colonel Walter Schellenberg. Et Walter Schellenberg, c'est le chef de la section de renseignement extérieur euh, au sein du... Sicherheitshauptamt, c'est-à-dire le service de sécurité de la SS. Et euh, en tant que chef d'un service de renseignement, évidemment, il est mieux informé que les autres, ce Schellenberg, et dès le printemps de 1942, il en a conclu que jamais l'Allemagne ne pourrait gagner une guerre contre l'Angleterre, les États-Unis et l'Union soviétique coalisée. Et. En août 1942, à Vinitsa, en Ukraine, par le hasard d'une visite au QG d'Himmler, il va trouver une oreille complaisante auprès de Félix Kersten. D'où une alliance de ces deux hommes, une alliance mutuellement avantageuse qui va permettre à Schellenberg de rester en poste et à Kersten de rester en vie. Mais elle leur permettra aussi d'obtenir des libérations spectaculaires en s'unissant, hein, comme la libération des quatre Suédois de Varsovie qui avaient été condamnés à mort. Et cette alliance leur permettra aussi de nouer des contacts à l'étranger pour tâcher de mettre fin à la guerre, et même d'intéresser Himmler à l'idée d'un... Complot pour renverser Hitler. Et c'est même pour cela que Kersten et Schellenberg engagent un astrologue appelé Wilhelm Wulff qui sera chargé de faire à Himmler des prédictions astrologiques allant dans le sens d'une libération massive de prisonniers de négociations secrètes pour mettre fin à la guerre et même d'un putsch contre Hitler. Alors il faut bien admettre que, comme souvent dans les histoires tragiques, on rencontre ici beaucoup d'épisodes comiques. Et bien souvent, c'est du comique de répétition. Kersten et Schellenberg, aussi, qui a écrit ses mémoires, nous décrivent ce redoutable maître suprême des SS qui prend au sérieux les prédictions astrologiques les plus farfelues, qui se met au garde à vous devant le téléphone à chaque fois qu'Hitler appelle et qui est tellement myope qu'il ne peut jamais prendre le volant sans se retrouver dans le décor. Et il y a aussi cette observation de Kirsten qu'on n'oserait même pas inclure dans un roman d'OSS 117, mais qui montre que la réalité peut être encore plus fabuleuse que la fiction. Écoutez cela. Goebbels avait ses propres espions qui étaient plus efficaces que ceux d'Himmler parce qu'il les payait mieux. Il avait des espions chez Himmler, mais Himmler avait aussi ses espions qui espionnaient Goebbels et les espions de Goebbels ainsi que Göring et Ribbentrop, qui avaient également leurs espions, qui espionnaient Himmler. Mais ceux-là, Himmler les a rapidement détectés et les a envoyés au front, où ils sont morts en héros. Bon, oui, et puis vous avez quand même d'autres scènes, dés... scènes assez désopilantes. Eh, Kirsten essaye à de nombreuses reprises de persuader Himmler de se tenter un coup d'État contre hitler. et himmler dira, ah non, non, je, je ne peux pas, je, je vois bien que ça, il faudrait faire quelque chose, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je, je lui dois tout à hitler, je lui dois tout. d'ailleurs, voyez ma boucle de ceinture, il est écrit dessus, mein ehre heißt treue, mon honneur, c'est ma fidélité. et kersten répond, eh bien, herr reichsführer, changez de boucle, voilà tout. Bon, évidemment, ça peut susciter l'hilarité, mais bon, on se reprend vite en considérant les circonstances et en pensant à ce constat du grand artiste russe Sergei Abrastsov qui disait Humour est sérieuse, non L'humour, c'est une affaire sérieuse. Mais l'affaire la plus sérieuse dans cette histoire extraordinaire, c'est celle qui survient en mars 1945, parce qu'en mars 1945, depuis plusieurs semaines, Hitler a donné un ordre catégorique, quand les Alliés arriveront à moins de 8 km des camps de concentration, les camps doivent sauter avec les prisonniers et les gardiens. Comme ça, il ne restait plus qu'un tout petit tas de pierres, rêve de négationniste, il ne s'est rien passé. Or, quand on y réfléchit, en mars 1945, il y a encore 800 000 prisonniers dans les divers camps de concentration, de travail, de transit, de regroupement, etc., sur l'ensemble de l'Allemagne, qui n'est pas encore. Occupé. Seulement, il se trouve que cet ordre d'Himmler est arrivé aux oreilles du ministre suédois des Affaires étrangères, Christian Günther, et aussi à celle de, du représentant à Stockholm du Congrès juif mondial, s'appelle Hillel Storch. Et l'un et l'autre font une démarche pressante auprès de Kersten. Pour le prier d'intervenir pour qu'il empêche cet ultime forfait, ce massacre de masse, hein 800 000 quand même. Hein Et là, vous voyez de nouveau l'enchaînement des hasards. Hein Comme Kirsten avait réussi en décembre 1944 à faire libérer ces quatre ingénieurs, ces quatre ingénieurs suédois. Euh, de Varsovie, qui avait été condamné à mort, et, et que finalement qu'on autorise à rentrer en Suède, hein, c'est un petit peu le magicien quand même, Kirsten, eh bien, on va le voir, et on lui dit, bon, vous êtes notre dernier recours, euh, si quelqu'un peut le faire, il n'y a plus que vous, essayez. On n'y croit pas beaucoup, mais il euh, n'y a pas d'autres possibilités. Et, et de fait, Kirsten va rentrer à Berlin, il était à Stockholm à cette époque, il rentre à Berlin, et... Au début de mars, pendant une semaine, il va faire le siège d'Himmler pour l'amener à désobéir à l'ordre du Führer en ne transmettant pas l'ordre de faire sauter les camps. Alors tous les arguments y passent, les arguments habituels, les promesses, les flatteries, les menaces, à commencer évidemment par la principale, c'est-à-dire la menace de ne plus le soigner. Et finalement, le 12 mars, Himmler cède, il s'engage à ne pas faire exécuter l'ordre, il gardera l'ordre sous le coude. Et Kirsten, qui sait à qui il a affaire, lui demande sa parole d'honneur, et Himmler donne sa parole d'honneur. Alors, sur les 800 000 prisonniers dans ces camps au mois d'avril 1945, 200 000 vont mourir de toute façon, que ce soit avant, pendant ou juste après leur libération, à cause des marches de la mort, des épidémies, de la faim, des mauvais traitements et euh, le plus souvent d'épuisement complet. Sur les 600 000 qui restent, il y en a 200 000 à 300 000. Qui sont détenus dans des centaines de petits camps de travail qu'on appelle des camps de travail annexes. Et cela, il y en a trop et ils sont trop disséminés pour que les nazis aient le temps ou les moyens de les faire sauter. Mais dans les 25 principaux camps restants, avec leurs 300 à 400 000 prisonniers, là, il y a de quoi faire. Et ce sont ceux-là que Kersten va sauver par son intervention auprès d'Himmler. Et parmi ces 300 000 à 400 000 prisonniers, il y a 80 000 juifs. Sur ces 80 000, 20 000 vont mourir pendant les dernières semaines pour les mêmes raisons, les épidémies, le typhus en particulier, l'épuisement, les marches de la mort, etc. Mais les 60 000 juifs qui restent, Kersten va aussi les sauver et il va même les sauver deux fois. La première fois de la famine, puisqu'il a réussi à obtenir d'Himmler que la Croix-Rouge suédoise puisse leur faire parvenir des colis de vivres, à un moment où les camps ne sont plus du tout approvisionnés. Et la Croix-Rouge suédoise va faire très fort. Pour un seul camp, Theresienstadt, 45 000 colis de 2,5 kg chacun. Hein, C'est du lourd quand même. Hein. Et euh, bien entendu, Kersten va les sauver une deuxième fois, puisque leurs camps ne sauteront pas. Et il y en a qui va même sauver une troisième fois, parce que euh, le 7 avril, on apprend à Stockholm que l'adjoint immédiat de Himmler, qui s'appelle Carlton Brunner, sinistre personnage, a décidé de contourner euh, Himmler et d'exécuter lui-même les ordres du Führer en chargeant des SS croates de faire sauter le lendemain matin le camp de Bergen-Belsen. Les représentants suédois du Congrès juif mondial l'apprennent la veille, se précipitent chez Kirsten. Kirsten dit, ben, je ne peux, euh, peux pas rentrer à Berlin, là, là, ça sera trop tard. Mais j'ai une ligne directe avec Himmler. Effectivement, il a une ligne directe puisque Himmler doit pouvoir le rappeler euh, en Allemagne dès qu'il a une crise. Et donc, euh, normalement, le, le courrier prend trois semaines. Hein le téléphone, il ne faut pas y compter. Mais là, il a une ligne directe. Et effectivement, au bout d'une demi-heure, il arrive à joindre le secrétaire Brandt. Le fidèle complice, et euh, Brandt arrive à joindre Himmler. Himmler donne le contre-ordre, et le lendemain, Bergen-Belsen ne saute pas. Parmi euh, les euh, prisonnières de Bergen-Belsen, il y avait une certaine Simone Weil et sa sœur qui euh, sont rentrées en France sans avoir jamais su. Qu'elles avaient été sauvées par Kirsten et par téléphone et par miracle, triple zeugma. Et, et euh, beaucoup d'autres aussi, la plupart des gens d'ailleurs qu'il a fait libérer, eh bien, ils n'ont pas su du tout à qui ils devaient leur libération. Et ça n'est même pas tout, parce que le 20 avril, Kerstin persuade Himmler de recevoir un représentant du Congrès juif mondial, un certain Norbert Mazur, à qui il concède la libération des femmes de Ravensbrück, y compris beaucoup de Françaises d'ailleurs, qui étaient détenues à Ravensbrück. Et un peu plus tôt, d'ailleurs, Kerstin avait aussi obtenu d'Himmler la permission de faire extraire des camps tous les prisonniers scandinaves et de les faire envoyer en Suède. Et c'est ce qui est à l'origine de la célèbre expédition des bus blancs, vous savez, les, les bus blancs du comte Bernadotte, qui vont permettre de ramener en Suède, dans les dernières semaines de guerre, près de 20 000 prisonniers et prisonnières. Alors, bien sûr, euh, Kersten, ça n'est pas un homme de terrain hein, comme Schindler ou comme Wallenberg. Il ne connaît pas les gens qu'il fait libérer. Il n'a qu'une très vague idée de ce que sont leurs souffrances. Mais comme il opère à un très haut niveau, il a beaucoup plus de poids que ces deux précité et c'est ce qui va lui permettre de sauver 20 fois plus de gens que Raoul Wallenberg et 300 fois plus de gens qu'Oskar Schindler. Alors, que devient Kirsten après la fin de la guerre Eh bien, il s'est réfugié en Suède avec sa famille et on le prie assez fermement de s'y faire oublier parce que après tout il a été le médecin d'himmler donc probablement son complice et quant aux opérations de sauvetage eh bien c'est le comte bernadotte qui s'en est attribué tout le mérite dans un livre qu'il a écrit ou plutôt qu'il a fait écrire à sa propre gloire trois semaines après la fin de la guerre. Il est le neveu du roi de Suède, donc ça fonctionne très bien. Et il faut bien le reconnaître, ça ne lui portera pas bonheur, mais ça, c'est un autre enchaînement qui va déclencher une autre affaire. Mais en ce qui concerne Kirsten, les Hollandais eux-mêmes se demandent comment il se fait qu'on n'a pas... Fusiller immédiatement ce, ce médecin qu'ils connaissaient depuis 12 ans et qui les a trahis. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'Himmler venait à la Haye pendant l'occupation, avec les SS, il euh, y avait, y avait Kersten qui ne passait pas inaperçu. Hein. 138 kilos en civil parmi les militaires, on le repérait très vite, hein, évidemment. Mais pour eux, c'était un traître. Hein. D'autant plus que, comme je vous le disais, les centaines de milliers d'opposants, de résistants, de Juifs, de Polonais, de Néerlandais, de Belges, de Français, de Scandinaves, etc., qui ont finalement pu rentrer chez eux. Ils n'ont jamais su, à de rarissimes exceptions près, à qui ils devaient leur salut. Et donc il va falloir attendre 1950 pour qu'une commission d'enquête parlementaire néerlandaise déclare officiellement, après trois années d'enquête, qu'en en fin de compte, on n'a pas vraiment affaire à un traître, mais plutôt à un bienfaiteur de l'humanité et euh, que non seulement on ne peut pas le fusiller, mais qu'en plus il serait urgent de le décorer. Et euh, c'est ce que fait effectivement euh, euh, l'époux de la reine Juliana. Hein, euh, il le décore solennellement au, au mois d'août 1950 et... Euh, les Néerlandais qui n'ont pas suivi, parce que ces trois années d'enquête de, se sont faites dans le plus grand secret, les Néerlandais pour qui Kirsten, le nom de Kirsten était synonyme de traître, ils ouvrent leur journal et ils voient en première page <laughs> la, la, la photo hein, euh, du, du mari de la reine qui euh, décore solennellement euh, Kirsten de l'ordre d'Orange-Nassau. Et peu après, ils vont même le voir accueilli en triomphe par le grand rabbin de New York. Alors là, ils ne comprennent plus rien. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et après cela, euh, entre 1950 et 1960, euh, Kersten va être proposé à cette reprise pour le prix Nobel de la paix, qu'il n'obtiendra jamais. Euh, mais en France, avec seulement 15 ans de retard, le euh, général de Gaulle, considérant que la France ne peut pas se montrer ingrate, lui décerne la Légion d'honneur. Ben, il a sauvé quand même énormément de Français, hein. des résistants, des juifs, etc., en grande quantité. Et c'est en venant chercher sa légion d'honneur le 15 avril 1960 qu'en traversant l'Allemagne en voiture, euh, Félix Kirsten a une crise cardiaque et il meurt en Allemagne deux jours plus tard. Eh bien, après cela, on retrouve le dieu d'Einstein du début, vous savez, celui qui se promène incognito. Écoutez ce qu'en dit l'avocat et philosophe juif Gerhard Rigner. Kersten était sans conteste un homme extraordinaire. Et le fait qu'il ait eu ce pouvoir d'influencer Himmler a été un présent du très haut. Je ne vois pas comment l'expliquer autrement. Alors, de fait, c'est une explication vraisemblable, mais qui est difficilement vérifiable et qu'il restera aussi longtemps que les archives du Seigneur demeureront impénétrables. Mais en attendant qu'elles s'ouvrent, j'aurai tout le temps de répondre à votre question. Je vous remercie. Vous voyez euh, s'afficher en bas de l'écran le numéro pour poser vos questions. Pour euh, tous les spectateurs qui sont avec nous dans les autres salles, euh, j'ai le téléphone en main, donc euh, je suis prête à lire vos questions et, euh, et à les transmettre à Monsieur Kersodi. Peut-être que dans la salle, ici même, il y a déjà des questions. Je vous rejoins. Je comprends que le général de Gaulle ait voulu décorer Kersten parce que Geneviève de Gaulle était à Ravensbrück Et sans doute qu'il, c'est une des raisons aussi. C'est tout à fait exact. Il y a, il, on a fait des recherches aussi. On a pensé au départ que c'était le comte Bernadotte. Et puis, bon, ben, le général de Gaulle était quand même bien informé. Et on lui a dit que ben non, si Geneviève de Gaulle est rentrée de Ravensbrück, c'est parce que euh, l'accord avait été négocié entre Himmler et Kersten bien avant l'arrivée du comte Bernadotte. Mais il y en avait d'autres. Il, il y avait des résistantes dont, dont le général de Gaulle avait demandé expressément au roi de Suède de demander à Kersten de les faire libérer. Donc il y avait beaucoup de monde et pas uniquement celle-là. Il y avait beaucoup de résistantes d'ailleurs à Ravensbrück. Et la liste du roi, le roi de Suède a accepté parce que, bon, il y avait... Pas grand-chose à refuser au général de Gaulle pour diverses raisons. Et, et, et donc, c'était sur la liste et, et, et il a obtenu, Kersen a obtenu effectivement qu'elle soit libérée en priorité. D'autres questions Alors, par rapport à tout ce que vous nous avez conté ce soir, parce que vous avez ce, ce don pour compter les histoires, comme nous le savons au Festival du film d'histoire. Euh, Hitler n'a jamais eu de soupçon N'a-t-il jamais tenté de comprendre ce qui se passait Pourquoi des ordres n'étaient pas exécutés Et quelle était l'influence de ce médecin Alors, en ce qui concerne la non-exécution de l'ordre, c'était... Au mois d'avril, c'était entre mars et avril 45, et à ce moment-là, les liaisons étaient tellement faibles que Hitler ne recevait pratiquement plus de rapports. Et donc on pouvait se permettre un certain nombre de choses, y compris de ne pas exécuter ses ordres. Himmler n'a d'ailleurs pas été le seul. Il y a Albert Speer en particulier qui, dans ses mémoires, montre bien qu'il a saboté les ordres d'Hitler de tout détruire au moment de l'avance des Alliés. Et euh, il est, lui aussi, il s'en est tiré parce que, parce que Hitler était enterré dans son bunker, qu'on ne lui communiquait pas grand-chose. Mais même avant cela, quand les communications étaient beaucoup plus euh, fiables, euh, Himmler était quelqu'un de très secret, et lorsqu'Himmler voulait qu'on ne sache pas certaines choses, il arrivait à l'imposer, ne serait-ce qu'en faisant disparaître les gens qui y parlaient trop. Hein. Et euh, c'est grâce à cela que Hitler n'a jamais soupçonné l'existence de quelqu'un comme Félix Kersten. S'il l'avait appris, d'ailleurs, euh, Kersten était mort. Hein, parce que... Et il euh, y a aussi une chose intéressante. Euh, à la fin de 1942, en décembre 1942, euh, les... Himmler a présenté à Kersten le dossier médical d'Hitler, qu'il avait réussi à reconstituer de briques et de broc en lui demandant si euh, Kersten pensait pouvoir soigner ce patient. Et Kersten consulte le dossier, voit effectivement toute l'histoire médicale d'Hitler et voit tout ce dont il souffre, insomnie, impuissance, maux digestifs catastrophiques, etc. Enfin, il y a une quantité invraisemblable. Et quand il a fini, Himmler lui dit « Est-ce que vous pensez pouvoir soigner ce patient ?» Et Kersen a une réponse qui va le sauver, d'ailleurs, en disant, non, je ne peux pas le sauver parce que c'est un cas essentiellement psychique. Et ça, ça n'entre pas dans mon domaine de compétence. Et donc, il n'a pas soigné Hitler, heureusement, parce que s'il l'avait fait, il est probable que Hitler ne l'aurait pas laissé repartir sans le supprimer. Et, mais c'est un cas intéressant, et surtout, c'était la première fois qu'on savait... Euh, euh, L'histoire médicale d'Hitler était un des, des plus grands secrets d'État, euh, évidemment, sous le Troisième Reich. Personne ne devait savoir de quoi il souffrait. Hein. <laughs> et, mais voilà. Et, et donc, euh, voilà, Himmler avait les moyens à la fois de euh, proposer les soins du médecin ou de cacher son existence. En, en l'occurrence, euh, Kersen a d'ailleurs soigné d'autres personnages du Troisième Reich, euh, dont Ribbentrop. Et Rudolf Hess, avec qui il a sympathisé d'ailleurs. Il trouvait que de tous ces truands, le plus sympathique finalement, c'était Rudolf Hess. Mais évidemment, comme vous savez, en mai 1941, Rudolf Hess s'est soustrait de la scène et n'est revenu qu'à Nuremberg. Alors, nous avons reçu plusieurs questions de nos salles, notamment deux personnes dont Françoise de Biarritz qui pose la question, que pensez-vous du livre de Kessel, Les mains du miracle Alors, euh, le plus grand bien, c'est un roman et c'est grâce à lui que j'ai connu la Kirsten la première fois il y a 30 ans. Mais euh, ce que je ne savais pas, c'était quelle était la part de Kessel et quelle était la part de Kersten, parce que dans le roman, Kessel parle à la place de Kersten. Et, et donc euh, quelle est la part euh, voilà il, euh, son, euh, il, il, il a euh, un frisson euh, dans le dos à tel moment etc. Enfin, c'est du beau roman mais euh, bon il a aucun moyen de savoir si euh, si Kirsten avait un frisson dans le dos au moment où Himmler lui a dit telle chose donc c'est un roman euh, mais un roman bien documenté ne serait-ce que parce que euh, il a connu euh, Kerstin et Kerstin lui a fait un certain nombre de confidence. Euh, mais voilà, la, quelle était la part euh, de Kessel, quelle était la part de Kersten, très difficile à savoir. Et par conséquent, par la suite, j'avais écrit un livre qui s'appelait Les secrets du Troisième Reich. Et euh, dans ce livre, pour l'écrire, j'étais tombé sur un volume des mémoires de Kersten. Il en a écrit quatre, en autant de langues d'ailleurs, hein, le premier en suédois, deuxième en irlandais, troisième en allemand, quatrième en anglais. Euh, les deux derniers ne valent rien ou pas grand-chose, mais les deux premiers sont extraordinairement utiles, hein, parce que c'est là qu'il il sort toutes ses notes et, et qu'il vous raconte tout ce qui s'est passé. Et, et donc là, on peut non plus euh, se déguiser euh, en Kersten, mais faire parler Kersten et faire parler ce que n'a pas eu le temps de faire euh, Joseph Kessel, faire parler les gens qui ont travaillé pour lui et les gens qui ont travaillé contre lui. Et, et là beaucoup, ça n'est plus totalement centré sur Kersten, c'est euh, ce que les gens qui l'ont connu, ont à dire de lui et là évidemment c'est assez fabuleux parce qu'on on le, on le voit sous toutes les coutures si j'ose dire et, et on voit effectivement qu'on a affaire à quelqu'un euh, exactement d'ailleurs comme euh, les autres c'est à dire schindler c'est à dire euh, wallenberg qui est totalement inconscient du risque hein au début il veut se soustraire à cette affaire petit à petit il commence à faire libérer des gens à condition que ça lui apporte pas trop de désagréments. Seulement, euh, comme dans le cas de Schindler et dans le cas de Wallenberg, c'est addictif. C'est-à-dire que plus il en fait libérer, plus il veut en faire libérer, et plus il est prêt à prendre de risques pour le faire. Et Dieu sait qu'il a risqué sa vie euh, au moins une bonne demi-douzaine de fois. Il n'aurait pas dû d'ailleurs survivre, mais il a survécu par miracle. Et c'est ça, ça qui est tout à fait fascinant. On a vu le, le, le film de M. de Sosa Mendes, c'est remarquable, mais il faut bien reconnaître qu'il ne risquait que sa carrière, ce diplomate. Les Allemands n'étaient même pas encore là. Et Kersen, lui, risquait sa vie. Et il a bien failli non seulement se faire tuer par les SS qui lui avaient tendu une embuscade à l'insu d'Himmler, mais en plus, il a failli se faire prendre par les soviétiques. Et l'exemple de Wallenberg montre très bien ce qui se passe quand on est pris par les Soviétiques, surtout quand on a un passé comme celui de, de Kersten. Donc c'est une histoire remarquable. Et, et, et le, le, la beauté, si vous voulez, du, du, du roman de Kessel, c'était justement d'avoir fait connaître l'histoire de Kersten. Après, ben après, il fallait aller retrouver. Ses complices, ses ennemis, euh, les archives, les archives de Kersten qui euh, sont à moitié en Hollande et à moitié en Suède, euh, et plus les procès-verbaux de Nuremberg, plus les procès-verbaux des commissions d'enquête, hein, parce qu'il y a eu trois commissions d'enquête différentes sur Kersten, par bonheur, parce que en, en, entre 45 et, et 50, ils ont fait pratiquement mon travail, parce qu'ils ont été interviewés. Les, les 50 ou 60 personnes qui avaient très bien connu euh, kersten ce qu'on ne Pouvait plus faire, évidemment, en 2020. <laughs> Tous ces gens sont morts. Donc, le fait qu'ils aient déposé et qu'on ait enregistré leur déposition, évidemment, c'était presque aussi miraculeux que, que les mains du miracle. Donc, voilà. Et, et donc, euh, mais je vous le recommande, il est remarquable. Et euh, j'avais, à l'époque, en, en 2020, euh, 2018, pardon, dédié les, les secrets du Troisième Reich à Félix Kersten Au début, je les avais dédié à l'amiral Canaris mais euh, mon éditeur a dit ouh là là l'amiral Canaris chef des services secrets allemands on va nous traiter de fascistes on peut pas faire ça quand même il a sauvé beaucoup de monde ah oui mais les gens le savent pas non non vous savez euh, avec les entre les trotskistes les anarchistes les communistes on va avoir des problèmes je dis bon écoutez je, je veux pas votre mort euh, on va le dédier le livre à Félix Kersten, celui-là, euh, 300 à 350 000 euh, sauvés, là, personne ne dira rien, et effectivement, personne n'a rien dit, sauf un monsieur qui euh, m'a envoyé un mail et qui m'a dit Écoutez, euh, j'ai écrit une pièce de théâtre sur les relations entre euh, Kersten et Himmler, j'ai vu que vous avez dédié votre livre à Félix Kirsten, est-ce que ça vous intéresserait de lire ma pièce de théâtre j'ai dit oui, je me disais que c'était quand même très casse-gueule comme une pièce de théâtre là-dessus, mais enfin bon, je n'ai pas voulu le décourager, je dis oui, envoyez quand même, oui, oui, bien sûr, envoyez-moi ça. Et puis je m'apprêtais à dire, ben c'est très bien, mon brave, continuez, mais je l'ai lu. Et en fait, elle était remarquable, sa pièce. Elle était vraiment très, très bien. Il avait tout à fait capturé l'ambiance de ces dialogues entre Himmler et, et, et Kersten. Et donc, euh, voilà, je l'ai invité à venir me voir. Et je lui ai dit, bah, écoutez, cette pièce, c'est merveilleux. Il faut la monter et tout. Il dit, oui, mais ce n'est pas facile, surtout en période de Covid. J'ai du mal, etc. Et je lui ai dit, bah, écoutez... Euh au moins faites-la publier, comme ça, personne ne vous la piquera et vous pourrez ensuite la monter. Elle me dit, ah oui, mais je ne connais pas d'éditeur. Ça, ça peut s'arranger. Et donc, euh, j'ai envoyé la, la pièce à, à Fayard et à une directrice de collection. Et le lendemain, cette directrice de collection m'a dit oui oui c'est une très belle pièce on va la publier on fait pas ça d'habitude mais euh, j voilà je l'ai lu pendant la nuit elle était elle, elle est magnifique on va effectivement la publier seulement une semaine après sa, sa directrice à elle a dit oui c'est très bien mais comme personne ne sait qui est kersten il faudrait que Kersaudi écrive un petit livre pour expliquer qui est ce personnage de kersten et, et c'est comme ça que je me suis trouvé euh, Enrégimenté dans cette affaire, ce que je n'avais jamais voulu faire avant, parce qu'on disait que Kersen avait un journal de 820 pages et que ce journal, on le recherchait. Et quand on m'a demandé, demandé plusieurs fois si je ne voulais pas faire un livre sur Karsten, j'avais dit ben, tant qu'on retrouve pas le livre, ça, ça, tant qu'on ne retrouve pas son journal, ça n'a pas d'intérêt. Et donc je ne le ferai pas. Mais là, étant au pied du mur, j'ai accepté, puisque c'était la condition pour qu'il publie la pièce. Et en allant dans les archives, notamment à Amsterdam, je me suis aperçu que tout simplement, ce fameux journal n'existait pas. Et j'ai tout de suite compris pourquoi d'ailleurs. Euh, c'est grâce à ça qu'il a survécu, parce qu'un homme qui était surveillé 24 heures sur 24 par la Gestapo, il tient pas de journal. Hein. Donc euh, ce qu'il qu a tenu, tout simplement, euh, c'était ces milliers de, de tout petits papiers griffonnés au crayon qu'on retrouve dans les archives et qu'il avait enterré dans sa cave et qu'il a réussi à, à sortir d'Allemagne in extremis avec la valise diplomatique finlandaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant tout ce temps-là, et là on revient au début, Kasten était un agent finlandais. Il faisait son rapport à l'ambassade de Finlande pendant toute la guerre. Ce qui explique d'ailleurs que les Finlandais les décoraient de l'ordre de la rose blanche, ce qu'on ne donne pas à tout le monde. Hein, et il lui donnait un titre médical, médicinal, rat. Hein, c'est et voilà, et la Finlande lui devait effectivement beaucoup puisque c'était euh, leur principal espion euh, à l'intérieur, euh, à l'intérieur de, de l'Allemagne, hein. et ça, donc ça leur a rendu beaucoup de services et ça leur a évité aussi, d'ailleurs, d'avoir à livrer tous les Juifs finlandais, et ce qui explique aussi, d'ailleurs, la décoration. Mais euh, voilà, c'est un enchaînement là aussi. Ça, ça nous ramène à cet extraordinaire enchaînement de hasard. Les SS ont soupçonné pendant toute la guerre que euh, était un agent britannique. C'est totalement faux, il n'a il jamais rencontré de Britannique pendant toute la guerre, mais par contre c'était de toute évidence un agent finlandais. Et à la fin de la guerre, c'était aussi un agent suédois, d'ailleurs. Une nouvelle question. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence et l'humour aussi que vous avez ajouté. Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi Spielberg a plutôt choisi le personnage de Schindler plutôt que Kirsten qui paraît beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant et plus romanesque Probablement que parce que Schindler n'a jamais parce que Spielberg n'a jamais entendu parler de Kirsten, ce qui était très courant à cette époque évidemment. S'il l'avait fait, évidemment, c'est Kirsten qui. On aurait publié la liste de Kirsten et on n'aurait jamais entendu parler de Schindler. Alors, parmi les autres questions reçues, euh, plusieurs questions sur euh, Kirsten est-il injuste euh, Notamment Philippe Armaniac de Biarritz pose la question. Et, et euh, une autre personne complète cette question par Pour quelle raison Kirsten n'a-t-il pas obtenu le prix Nobel alors, euh, je commence par la première. Euh, c'est injuste, mais ce n'est pas, inju pas injuste. Alors, mais c'est injuste qu'il ne soit pas injuste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, normalement, alors, il y a déjà très longtemps, hein, il y a au moins dix ans, j'avais écrit un petit article sur Kersen pour le point. Et euh, je, quand même, je me suis posé la même question que vous pourquoi est-ce que ce n'est pas injuste Et donc j'ai téléphoné à Jérusalem et j'ai posé la question. Et là, il y a une dame qui m'a dit, eh bien écoutez, voilà, il y a trois raisons, euh, sont déclarées justes euh, ceux qui euh, ne sont pas juifs, mais qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie. Et en outre, euh, toute cette affaire de Kersen repose sur ses propres écrits, donc on n'est pas forcé de le croire. Bon, sur le moment, je me le suis tenu pour dit. Par contre, euh, en faisant des recherches, je me suis aperçu que les trois raisons sont fausses. <laughs> euh, Kirsten ne pouvait pas être juif. D'abord, parce que Kirsten, ça veut dire le chrétien. Vous ne trouvez pas beaucoup de juifs qui s'appellent le chrétien. En vieux germanique, Kirsten, Kirsten c'est la croix. Hein. Kirsten, c'est l'homme voilà, ce, ce, de la croix, donc c'est le chrétien. Euh, et puis. Euh, pendant cinq ans, la, la Gestapo a épluché évidemment son arbre généalogique parce qu'ils auraient adoré pouvoir dire à Himmler que cet espion britannique, en plus, il était juif. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils ont, et pourtant, ils étaient spécialistes. Hein. Quand ils n'en avaient pas, ils, ils faisaient des faux. Et là, ils n'ont même pas pu. Hein. Donc, euh, voilà. Donc de toute évidence, il n'est pas juif. Bon. Deuxièmement, au péril de leur vie. Alors ça, ça, ça interpelle parce que... Euh, vous avez ce, ce, ce fameux consul portugais, euh, M. de Sosa Mendes, et, et, et il a sauvé des Juifs, mais ce n'était pas au péril de sa vie, c'était au péril de sa carrière. Mais comme les Allemands n'étaient pas encore là, il risquait pas grand-chose, hein, en tout cas euh, pas de la part des Allemands. Par contre, euh, Karsten, lui, alors là, euh, le péril de sa vie, euh, on lui a tendu une embuscade, donc on l'a raté de très peu, grâce à Schellenberg d'ailleurs. Et il a failli être descendu en avion deux ou trois fois hein, parce qu'il faisait la navette. Entre la Prusse orientale et Berlin, puis entre Berlin et la Suède. Et dans les derniers mois, évidemment, le, le, le ciel était infesté d'avions alliés et, et d'avions soviétiques. Et, et au moins une fois, son avion a été transformé en gruyère. Hein. Donc il s'en est échappé absolument par miracle. Donc, au, et quand il est rentré à Berlin au, au, au mois d'avril, les, les soviétiques étaient à 15 km de Harzwald et il aurait très bien pu se faire prendre. Donc on ne peut pas faire plus au péril de sa vie. Donc, euh, euh, voilà, toutes les raisons sont fausses. Alors, quelle est la vraie raison Parce que c'est quand même trouvé. Euh, il faut revenir au comte Bernadotte. Souvenez-vous, le comte Bernadotte qui s'est attribué le mérite euh, de l'action de, de Kersten, et euh, c'est le neveu du roi de Suède, certes, mais c'est un homme assez peu scrupuleux, qui avait une femme très ambitieuse qui était très riche, une américaine très riche, il faut toujours chercher la femme, hein. mais euh, qui l'avait convaincu, euh, <laughs> je n'ai rien dit, qui euh, l'avait convaincu qu'il devait absolument, comme la fortune, il l'avait déjà, et il fallait aussi qu'il ait la gloire. Et pour la gloire, il fallait qu'il ait le prix Nobel de la paix. Et euh, par conséquent, euh, trois semaines après la fin de la guerre, euh, le comte Bernadotte a fait écrire un petit livre à sa gloire, dans lequel il expliquait euh, que c'est grâce à lui que tous ces gens avaient été sauvés. Et comme l'homme n'était pas extraordinairement scrupuleux, il a téléphoné à Kersten, qui était également à Stockholm, en lui disant bah, :« écoutez, voilà, euh, si euh, vous euh, essayez de démentir ce qu'il y a dans mon livre, » Moi, avec mes relations, je vous fais expulser en Finlande. Et la Finlande étant à l'époque sous emprise soviétique, évidemment, eh, Kerstin et sa famille, à ce moment-là, auraient disparu au goulag. Et donc Kerstin n'a rien dit. Et euh, le livre du comte Bernadotte, Slut, en, 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 en suédois, a été traduit en 25 langues. Et, il est devenu mondialement célèbre. Et, même s'il n'a pas eu le prix Nobel, il a était nommé médiateur des Nations Unies dans la guerre israélo-arabe. Et donc, en tant que médiateur, il a fait un travail fort honorable, d'ailleurs. Mais en septembre 1948, à Jérusalem, à l'une des portes, il a été arrêté. Sa voiture a été arrêtée à un barrage. Et là, il y a euh, trois euh, membres du gang, ce qu'on appelait le gang Stern, c'est-à-dire le groupe Lehi, c'était les, les Black Blocs de l'époque, sauf qu'eux, ils étaient armés, et euh, ils ont passé un, un fusil mitrailleur euh, par la vitre de la voiture, et euh, ils l'ont tué, avec un fusil mitrailleur allemand d'ailleurs. Et, et euh, par la suite, évidemment, euh, l'État d'Israël a été très embarrassé. Évidemment, ils ont, ils ont interdit ce mouvement, le Léhi, hein, il a été dissous. Le Premier ministre a dit que c'était l'œuvre d'un gangster. Bon, très bien, bon, ils ont été emprisonnés, mais il est resté cette tâche euh, après tout, les Israéliens sont euh, responsables de la mort du comte Bernadotte. Et donc, quand le nom de Kersten est arrivé à Yad Vashem, on a dit Ah là là, Kersten, oui, mais euh, Kersten et le comte Bernadotte, ils ont, ils ont eu des mots. Et, et le comte Bernadotte, bah, il a été assassiné par des gens de chez nous, donc c'est très embêtant. Euh, allez, on met tout ça sous le tapis. Kersten. N'est pas juste, mais évidemment, comme il faut quand même un minimum de droiture et de justice, le comte Bernadotte non plus. Et donc, voilà, les deux ne sont pas justes, et c'est injuste. Et c'est d'autant plus injuste, d'ailleurs, que je vous ai dit que. Kirsten avait sauvé le camp de Bergen-Belsen par téléphone. Dans ce camp de Bergen-Belsen, il y avait une certaine Simone Veil et sa sœur qui avaient été ramenées d'Auschwitz. Le camp n'a pas sauté pour les raisons que vous savez, mais Simone Veil est rentrée en France sans jamais savoir quelle devait son salut. À Kerstin. Et euh, le plus extraordinaire de cette affaire, c'est que le représentant en France de Yad Vashem, c'est un certain Pierre François Vell. Et Pierre François Vell, c'est le troisième fils de Simone Vell. Et donc il ne sait pas que si sa mère est rentrée, c'est grâce à Kerstin, et que si si lui existe, puisqu'il est né après la guerre, eh bien, c'est aussi grâce à Kirsten. Donc vous voyez, il y a quand même des enchaînements de hasard qui sont tout à fait extraordinaires quand on essaye de dénouer un petit peu les fils du destin. Merci infiniment, merci beaucoup.